Attends, attends, attends. 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 Tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec Orwa Pity. Alors, je ne joue pas avec Anto, car il n'était pas disponible. De toute façon, si je joue pas avec lui, c'est qu'il peut. Et c'est parce que Orwa Pity voulait faire une vidéo aussi avec moi. Et moi, ça fait assez longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Du coup, il fallait bien que j'en sorte une, quoi. Donc voilà. Donc je présenterai ta chaîne dans la description. Ouais, moi aussi. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, j'en sais rien, mais je le mettrai quand même. Moi, de toute façon, ta chaîne est en description. Anto, je l'ai déjà mis, donc j'ai pas besoin de le remettre normalement, vous avez juste à regarder les anciennes vidéos. Puis vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la vidéo pour avoir le lien de sa chaîne. Donc aujourd'hui, on va continuer la même partie que j'avais recontinué, on va dire, avec Anto. Oui, donc, c'est une vidéo assez épique, car on a battu quand même la femme araignée et comment dire, le mammouth, comme j'ai appelé dans la vidéo. Le mammouth, une chatte. Donc aujourd'hui, on va essayer d'améliorer la base. J'ai une petite intention de faire une base vraiment très 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 développée. Ouais. Genre militairement impossible à passer. C'est-à-dire avec des pièges partout, des murailles beaucoup plus résistantes, parce qu'on commence à avoir des bons indigènes qui nous attaquent. Cette fois, c'est plus indigènes qui ont juste du sang sur la bouche et qui sont juste affamés, machin. Là, c'est vraiment des indigènes qui sont bien armés. Après, ça va commencer à bien nous faire chier. Donc, faut bien se préparer, quoi. Sachant qu'on est que le jour 9 et qu'au maximum de jours que j'ai survécu, c'était quand même le jour 13. Et je sais qu'au jour 13, jusqu'au jour 13, on n'a pas eu de mutant. Et au jour 13, il y a eu le mammouth qui nous a détruit toute la base. Attends, je crois que j'ai entendu des indigènes, je sais pas si. Ouais, moi aussi. Ah non, ils sont là. Ah, putain, ils sont 4, ils sont 4 armés. Attends, je viens t'aider. Ok, attends, ils m'ont peut-être pas vu. Je sais, sortir mon arc. Ah ouais, c'est là-bas. Vas-y. Mets-toi en sneak. Ah ouais, on essaie d'aller à la base. Enfin, ouais, au moins sans se faire. Ils sont vers là. Ah, viens toi. Vas-y, je passe par la forêt, moi. Ok, vas-y. En fait, j'essaie de garder un œil sur eux. J'ai pas vraiment envie de me fight parce que j'ai pas assez de munitions de flèche. Ouais, même si j'ai sauvegardé le bateau, je préfère pas. Ouais. Mettre. Prêter des risques, on va dire. Ah, mais t'es parti loin, toi. Moi, je suis toujours en sneak en fait. Non, je suis passé par la forêt après, j'ai commencé. Ouais, non, mais t'as raison. Ok, je vais un peu sur la plage maintenant. Ce qui est les bouteilles, je vais faire les côtés motof. Ah, t'es là. Ouais. Ouais. J'ai sorti mon arc. Comme ça. Tranquille. Mais j'ai pas compris parce que j'ai essayé de mettre une seule flèche enflammée. Enfin, juste avec de l'alcool, quoi. Et en la tirant, ça tire une flèche normale en fait. Et ils disent pas de l'allumer, machin, du coup, je sais pas. Ouais, c'est un petit bug comme ça. De toute façon, dans une je trouve que ça sera plus. Ouais, de toute façon, ce qui marche bien pour brûler, c'est soit avec le thème au taf, soit on peut utiliser. Moi, ce que j'aime bien, c'est juste un bâton, enfin une torche, quoi. Non, moi c'est la hachette au début là. Putain, faut que je grandisse la muraille jusqu'ici en fait. Comme la première vidéo sur Zora, j'avais enflammé un agent comme ça. Une course, c'est là, je l'ai enflammé d'un coup. Attends, fait quand tout en brûlure. C'est n'importe quoi. Ah non, mais non, chez nous, les amis, ils bossent d'un coup. Ouais. Bon, par contre, je devais. J'entends Rafa bugger pas mal. Mais ça, c'est sa connexion. Hein. Déjà, on arrive à jouer, c'est déjà ça. bon, j'espère que vous l'entendrez. Moi, je l'entends, j'arrive à décrypter, on va dire. Je propose qu'on aille au conteneur après. Un conteneur, ouais. Bon, non, pas maintenant, c'est en marque. En fait, non, c'est juste pour la bouche. Il y a la bouche. Hop. Il faudrait de la peau de lézard.
Parce que j'ai qu'un bout d'armure, c'est pas suffisant. Ah, mais je vais faire Tire. les molotovs là. Bon, on va trouver des sticks. On va faire la hache. Alors, soda, je suis posé. Moi, j'ai qu'une seule bombe, mais j'ai une head bombe. Après, je viens d'arriver sur ta partie, donc j'ai rien. Ouais, bah oui. Ouais. Bah d'ailleurs, si t'as besoin de trucs, je sais pas, genre. Des sneakers, j'en ai 10, ou des sodas, t'inquiète. Ouais. J'ai. T'as vu, nous, on a mis le poste d'observation, mais dans notre base. Alors, moi, là, il est à côté. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est est-ce que... Parce que du coup, c'est les indigènes qui rentrent dans ta base, tu montes, tu prends que tes motos, et tu t'éclates. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai l'indigène qui rentre dans ma base, du coup, ça va. Il y a quand ça mûre, sauf que. Pas en fait, méchant. J'ai appris qu'on annulait une flèche, alors c'est peut-être un peu débile, mais. C'est quand tu vises avec le clic gauche, t'appuies sur le clic droit pour arrêter de viser. Oui, je sais, ça fait un temps que je sais. Oui, bon, ça va. Ça nous. Bon, on va couper le bois. Ouais, on a par contre, un... coupe pas n'importe quel arbre parce qu'il y a des arbres qui ont. Les sap collecteurs. Genre un devant toi, on en a mis 4, je crois. Ouais. Ah putain, l'orage, putain. Non, ça se remplit. Y'en a un autre là aussi. Oh, il est rempli de 30 sap collecteurs. Hop. Oh, si, y'en a un. Ah, par contre, on va voir là, il va voir le sap collecteur. Ramène la luge, je vais couper quelques arbres. Ah bah chercher. Ah non, c'est failli. D'accord. Yo le troisième. Allez. Hop, hop, 9 sap collector. Ah je crois que tu t'en fais couper l'arbre qui avait. Encore plus que faire une vidéo de minutes là. Bah là c'est pas juste 6 minutes 50 qu'on tourne. Ouais. Ok, un arbre qui ne date pas trop. Si si. C'est magnifique. Bien donné, là. Ah bah, je le vois alors. Moi je peux rien si je te vois. Ok, okay. Alors, on va pas couper ça. Vous êtes loin de couper les... Vous avez tous coupé. Ah bah on a besoin pour les murs. Et puis pour les pièges. Les pièges. Moi ça va, moi je suis petite base. Bah t'as fait plus de monde que nous mais t'as pas fait autant de pièges. Bah les pièges, je vais les commencer dans le prochain épisode. Les pièges, les ça demande tellement de bûches. T'as des pièges, ils demandent 3 bûches déjà au sol. Voilà, des bûches. Bon, je cherche des bûches. Ça fait plaisir. T'as pris la luge ou... Non, ah non, toujours dans la base. Ok, je cherche. Merde, j'aurais pu prendre 3 bûches. Pour faire un piège. Je suis un peu des allers-retours pour rien, mais ça va. Oh, petite mouette. Non, tu veux pas te laisser faire? D'accord. Oh, sous hop. Ah, il est sous ah, une bûche pour faire le piège. Bah, attends, non, en fait, non. Ah, c'est pas piège. Hop, là. Hop. Il faut encore 248 bûches. Ça va. Je crois qu'on termine le coup. C'est un taux, ça. Le gars, il a fait le pont de San Francisco, tu sais. F. Là, je vais commencer le point. Enfin, commencer. C'est n'importe quoi. Non. Ça va tellement long à faire. Ok, on a 17 bûches sur 156. Ah, parce qu'il a fait son bateau. Enfin, bateau sous Kuma. Ouais, il a fait un bateau. Ouais, ce que je lui dis, il est un peu dans l'eau. Il me dit non, mais sinon, on aurait du mal à le passer. Ouais, non, mais. Ouais, ça c'est pas grave, parce que tu vois, il est toujours pas. Mais il va. Il construit, il va. Enfin, ce n'est pas un bateau. Elle luge. Ah. Allez, allez. Oh. On bat plus, je comprends. Allô. Oui. Elle la luge. Oui bah. Elle est là, écoutez. Elle est là. Attends, je l'avisais. Hein. Ouais. Par contre, sur les indigènes, ça me paraît pas qu'il arrive derrière moi. Putain. Ah. Okay. Ça me stresse qu'à moi de ça, fait. Vous avez des poules bizarres, vous. Hein? Hein? John a vu des poules bizarres. Ah ah. J'entends du ninja. Ouais. Ok, je laisse le jeu. Ok. Il est. Ah! Ok!
où cette salope? C'est moche là. Ah t'as vu? Il y a trop de feuilles. Il y a trop de feuilles. Ouais. Moi aussi je me suis perdu dans l'allée. Parce que toi mon vidéo. Hop la petite baffe. Hop là. Hop là. Bon, non tu respires pas. Tu meurs. Tu meurs. C'est bon. C'est bon. Bon je peux couper des arbres. Est-ce que je peux couper? Ah oui je peux sauter. Faut que je passe plus haute, on peut empiler les murs, c'est cool. Alors je fais un petit feu des familles parce que nous on est stressé. Ouais. Hop, ouais. Il va falloir encore des sticks Flory, oui. Ah même des pierres. Deux pierres et deux sticks. Ouais. Ah deux pierres, il y a un stick. Tu ramènes la luge. Ok, ok. Moi je cherche. Moi je cherche. Au pire, on frug, je m'occupe du pont, tu t'occupes des pièges. Ok, ok. Bah. De toute façon, là, je vais faire un feu déjà pour brûler le cadavre. Parce que disons qu'on a fait. Oh, on a pas. Ok, j'arrive. En fait, c'est bien, c'est résistant, mais. Enfin, ça explose avec les bombes, mais. Je veux dire, ça. Ça bloque un peu les gros mutants. Tu vois, le gros mutant mammouth, il peut pas sauter lui. Ah, par contre, j'ai vu une torche d'un indigène et il court vers moi, putain, dégage. Ils sont deux. J'arrive. Ok, je vais me les faire. Oh putain, non, ils sont trois. Ok, je prends côté de moi au taf. Oh putain, oh merde. Dégage. Recule-toi. Recule. Eh bah, t'as pas reculé, du coup, je vole. T'es mort? Non, j'ai volé. Ils sont plusieurs ou pas? Oh le bâtard. Dégage. Tu peux pas brûler toi aussi là? Ah. Oh putain. Viens là toi, vas-y, putain. Oh putain, il me fait peur le con. Putain, mais j'arrive pas à les brûler. Arrête de bouger. Arrête de courir là, il fait son bruit ou quoi? Voilà, brûle. Voilà. Fais gaffe, y'en a un deuxième. Je sais. Hop là. Voilà, il est mort. Oh, y'en a deux sur terre. Il m'a lâché des médicaments. Et la vie. Oh mon dieu. Il tu l'es avant qu'il se libère. Ouais. Moi, il m'a lâché un médicament, le même mec. Ah, j'ai pas de pierre. C'est le seul truc que j'ai pas ramené. Donc, c'était des pierres. J'essaie de récupérer ça, non, voilà. Ah, une pierre là, et une pierre là. Bambi, tu nous protèges pas bien, hein. C'est pas gentil ça. Ah bah ouais, l'esprit du Bambi, il est pas là. Bon, je vais allumer le feu. Pourquoi j'arrive pas à le taper? Ah, peut-être qu'il est déjà mort. Ok, d'accord. Je vais taper l'autre. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, il est mort. Ah oui, Je prends les corps. Je peux continuer. What? What? Le mec il est plus sur la corde. Ok. Oh, mais arrêtez de gueuler là. Ah, je peux encore gueuler, putain. C'est pas une chorale. Ah, mais attends. Oh, moi je m'inquiète. Oh, moi je. C'est les gens moi, là qui. Je suis sur votre porte pour les. Bah, voilà, c'est eux. Tiens, moi je les brûle. Bah, les couilles. Attends, je prends. Et Dieu a dit que la. Voilà. Non. Les pièges sont réarmés. Dis-moi que je peux brûler avant que le feu se casse. En fait, je peux en brûler un certain nombre avant qu'il se casse. Ouais, j'ai vu ça dans un épisode. T'es en train de brûler un indigène, tu l'as coupé, machin, il était. Hein? Hein? Dans un de vos épisodes. J'ai vu en train de brûler un gène. C'est d'un coup le coin, il a pété. Ouais, ça se fait. Bizarre. Et t'as un coq à pas brûler. Il est pas très fort celui-là. Celui-là, il a dit non, là-bas c'était pas assez bleu. Du coup, je lui fais le fond des os et puis je m'en bats les couilles. Merde. Bon. Tant pis. On
manger. Je vais manger. Voilà. Bon, je vais prendre la massue. Oh, y'en a un qui s'est fait avoir. Un gros. Et ouais, il s'est pris un piège. Et y'en a un là-bas. Le feu, t'es sympa. Voilà. Il est où lui? Il est où? C'est comme toi, bas, t'es en train de partir. Ah oui. Ah oui. Ah bah je vais les brûler moi. Non, ça va. Et moi? Oh, ça me suit. Oh, ça. Mais c'est bon. Je sais. Donc je fais un mirail. Voilà. Ah. Oh, je suis juste à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh. Il y a un indigène. Oh putain, je vais le faire. Alnichon. Bonjour madame. Bonjour madame. Alnichon. Est-ce que c'est du 95B? Non, vous êtes non. D'accord. Tu vas faire des choses avec ce corps. Bon, je l'emmène dans la maison. Surtout, ne dérange pas. On a un nouveau cadavre. Ouais. On va pouvoir faire les expériences. J'avoue, ils ont des choses. Il y a un mur qui est bizarre. Ou alors c'est juste ça. Je sais pas. L'expérience avec mon pénis. Tous les autres. Tous les autres. C'est magique. Eh, moi j'en ai sur moi qui cuisine une sauce. Ouais, y'en a plus ouais. Donc on peut essayer dans le panier. Merde! Tout à fait, tout à fait. J'ai cassé un arbre avec un. J'ai remarqué que j'ai encore une casserole. Ouais, moi aussi je vais retrouver une. Au moment où j'ai arrêté. Oh, un indigène! Oui! Je veux pas te prendre un piège là. Je veux pas être assez con pour prendre un piège. Ah oui, le bâtard. Il s'en est pris. Et l'autre, est-ce qu'elle va se la prendre? Non, elle est trop conne. Ah, il s'est pris un piège. On va jeter ce truc des indigènes. Ah, ouais. Moi, je suis des... Oh putain, je l'ai tué avant de mourir. Quoi. C'est vraiment le mec qui arrive à survivre. J'ai du sang partout sur le visage, j'étais presque mort, heureusement que j'avais des médocs. En fait je sais pas, je me suis trompé entre parer et attaquer, du coup c'était n'importe quoi. Merde, j'ai pris son arme. Comment j'ai pris son arme? What? Bah, j'ai jeté mon arme. C'est vrai? Stop. Aïe, je l'ai. Aïe. Putain, mais quel con. J'ai jeté mon arme et... Moi je vais faire une petite ellipse. D'accord, d'accord. Bon bah moi je continue. Ça fait déjà des 7 minutes et 15 que... Ok, c'est merde. Je vais récupérer mon arme, c'est sérieux là. Bon bah faut que je récupère ça dans l'hygiène hein. Bah y'en a un 4, je suis bête. Ah je suis content, il dit, ouais, il va se prendre le piège, et bah c'est fait. Ah, il a lâché deux armes. Ce mec est un mec. Yeah, j'ai une arme. Yeah. Ah, je pensais que je pouvais prendre deux corps, mais non. Fais des piles, Jules. Deux. Fais des pièges. Ah, des pièges. Allez. Ouais, attends. Je brûle les corps d'abord. Je vais pas tout faire. Je peux pas faire le crématorium, mais. Je fais des pièges. Enfin, je veux dire. On va arrêter un peu les conneries. Hop, le pétain est armé. Ah, il marche bien. En fait, les meilleurs pièges, je pense que c'est les lasso. Ils ont une plus grande probabilité de marcher, parce qu'une fois qu'ils passent, ils sont attrapés direct. Ouais. Alors que, toi, les pièges comme ça, là, s'ils passent dans l'autre sens, ça marche pas. Les pièges comme le truc qui tombe, là. T'as une chance sur deux qui passe trop vite pour que pas qu'ils se prennent. Du coup, je vais faire que des lasso en fait. Ça coûte des cordes, certes, mais j'ai rien. Mais ça va, je crois que quelqu'un connaît que c'est un. Tape 6. Il y a tellement de gens qui font des cordes. Nose trap. Je vais le faire vers la base. Tu sais quoi, je vais faire plutôt vers la maison. Ouais, ouais, c'est bien. Truc de bâtard.
Voilà. Ok, il faut 5 bûches. T'as des bûches? Non, je vais aller tout poser pour le pont. Ouais, t'as ouais. Le pont, c'est vraiment un truc secondaire. Bah, ce que je suis en train de faire, moi, je suis en train de construire le pont. Oui, c'est un truc secondaire. C'est l'idée d'un tour, hein, à la base. Ouais, mais comme ça, on va plus vite, toi, tu fais que des pièges. Et moi, oh, que le pont. Oh. Qui c'est qui crie là? C'est toi, madame? C'est toi, madame? Oh, c'est les indigènes normaux. Ah, ils sont 3. Ah ouais. 4. Hop, il y en a qui est mort. Vas-y, moi je regarde un peu le spectre. Oh, il y a un arc-en-ciel. Ok, j'en ai tué une, mais je suis presque mort. Oh putain, oh putain. Je fais mourir, moi. Ah, mais j'ai un médicament. Ah, il respire encore ce qui est tombé. Ah, il m'a lâché un médicament. Ah non, c'est là. Ah, ils sont partis. Ils ont trop peur. Ah, voilà. J'ai tué deux personnes. Une, je la tue. Elle a presque failli me tuer. Et en la tuant, ça me donne un médoc. Ah, écoute. Moi, c'est. Moi, je sais qui t'as. Là, je crois que c'est un beau dernier épisode que j'ai fait. J'ai tué un indigène et. Et une canette qui, je pense, qui lui est sortie de la gueule. Ouais. Et Occam, le gars, il vomit des canettes. Pour te dire. Putain, mon gars, tous les deux sont là. Putain. Ah, je vais faire une heure. Ah. Les gars, je vais pas couper un autre arbre. Attends, il est où l'autre corps hein? C'est, j'en ai eu deux. Allez, là. Petite madame. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Ah là, mon pote, il y a pas mal de pièges. Avant que je détaille notre base, faut vraiment qu'il se prenne des pièges. Je bug un peu. Avant que je détaille notre base, ouais, c'est possible. Ouais. Putain, je crois que j'ai rien. Bon, on arrête à 30 minutes maxi. Hein. Bah, ça m'a l'air sur le free lead. T'en as à combien de là? Là, je suis à 20. Ah, oui. Ah. Un autre candidat. Ouais, je reprends l'ellipse. Aïe! Tu sais, je t'ai pris un coup? Ouais, je t'ai pris un coup. Ok, j'arrive. Ok, j'arrive. Madame. Ok, ah, j'ai normal. D'ailleurs, si tu veux un club, il y en a dans la base. Voilà, voilà. Bon, emballé, c'est pesé. C'est paisible, moi je trouve, The Forest. C'est quoi, t'es. J'ai dit c'est paisible, je trouve, The Forest. Ouais, pas beaucoup d'action. Je sais pas. Ouais. Moi je dirais, il devrait mettre plus de danger. Ouais, beaucoup plus. Genre, tu marches et tu brandis. Non mais genre les indigènes ils peuvent poser des pièges, ça serait cool. Non, non mais genre tu vois, genre ils ont... Je sais pas, je sais pas. Mais ouais, ils devraient améliorer un peu les indigènes. Surtout ouais. Faible. Viens prendre le club là, celui dans la base avant que je quitte. Ouais, attends. Comme ça tu l'auras, on sauvegarde, et on va laisser peser comme je dirais. Oui. Il y a un club, ouais. Club là sinon. Hein. En fait, le bouton il est pas sur le club, des fois faut le choper dans le sol. Attends. Ah, d'accord. En fait, faut juste regarder. D'accord. Moi je ramène la luge. Ok. Ah oui, il y a pas mal de bois. Pas mal ça. C'est bien, au moins t'as un spawn de brandy là. D'ailleurs, j'ai combien de plumes là? Putain, 4. Et j'en ai toujours pas 5. Tu vois. Moi je dis après je ferai une petite tour de guet genre de guet. Ici là sur ici là sur. Ouais. Je sais plus comment tu fais mais ça c'est. Hop là je passe sur les mairies. Bah tiens attends. Je vais prendre 5 bûches. Garde 5 bûches pour moi là. Attends, je pars. Dépêche-toi! Allez! Une. Et. Bon,
comme ça. Bon, je vais poser les bûches et puis je crois. Et voilà, un nouveau piège. Ah. Là, y a un club. Là, ici. Ouais. Attends, Jean. Ah bah. Pourquoi tu me dis que t'as pas que. Mais j'avais dit que j'en avais pas. Ok, c'est bon. Ok. Bon. Ah, j'aimerais bien déjà voir. Quand il y aura les planches qui commenceront ici. Celui-là, pour l'instant, c'est que la poudre de suspension. Bon, sauvegarde. Ouais, j'ai sauvegardé. Oh là là, oh là là. Bon, j'entends déjà. Oh, hop, stop 2. Voilà, bon. Alors, on va se quitter ici. Donc, on fera une vidéo, je pense. La prochaine vidéo que je ferai sur ma chaîne, ce sera une vidéo Minecraft. Parce qu'il y a un de mes potes qui me demande de faire un Fallen Kingdom. Donc, ce sera un Fallen Kingdom. Ça. Et moi, alors, par contre, je vous préviens, je n'ai jamais fait le Fallen Kingdom. Il me semble qu'il y a plusieurs bases et il faut détruire les bases des autres avec des TNT, je crois. Enfin, détruire le cœur. Comme ça, donc on va ouais, on va en faire une. Je pense que ça durera pas aussi longtemps que l'épisode de The Forest. Mais enfin, ça dépendra. On fera une partie. J'irai de faire une partie. Si je vois que ça fait très court, bah j'en fais une autre. On verra. Donc, au revoir, Piki. Je mettrai ta chaîne dans la description. Ouais, moi aussi, je mettrai la tienne. Ok. Ça l'a fait mutuellement, c'est très bien. Comment dire? Donc, on essaiera de refaire un épisode cette fois avec toi et Anto. Ouais. Comme ça, on sera un épisode à 3. Et quoi, Rain et Rabata? Mais bon, des fois, il y a un Bon. Et bah, je vous dis à plus tout le monde et à une prochaine vidéo. À la prochaine vidéo.